Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur la séance gardien. J'espère que ça va bien. Jules, c'est bon? Le son, c'est bon? Vous m'entendez? Ok, ça roule. Pensez à ouvrir vos caméras, comme ça je vous vois, puis je peux vous corriger en même temps. Timéo, Maël, Luna, Armand. Ok, ça roule. Donc on a 1 heure, on est sur deux thématiques. On aura la première demi-heure, on est sur un circuit. Le circuit, on va alterner du travail physique, bas du corps, des balles et puis et haut du corps. Et la deuxième demi-heure, on sera avec la slide, d'accord, sur du travail avec les vidéos. Tac, tac, tac. Ok, Timo, tu peux pas mettre ta cam, mais je t'ai vu juste avant. Bon, c'est pas très grave. Je vous montre les exercices. Donc le circuit, on est en 40-20, 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. On enchaîne les 6 éducatifs, d'accord? Et entre les séries, on a 1 minute de repos à peu près. Le premier exercice, c'est Mountain Climber. Vous pouvez le faire sur la slide, si vous avez la slide, ou sinon vous pouvez le faire à vide, d'accord? Donc Mountain Climber, on grimpe avec du rythme. Le deuxième, on utilise le TRX, d'accord? On sera sur tirage bras. Donc le corps ne bouge pas. Donc je travaille à la fois à la montée, d'accord, et à la fois à la descente. Je ne relâche pas tout. Je contrôle la descente. Faut pas tout relâcher comme ça. Je contrôle la montée, je contrôle la descente. Donc tirage bras. Le troisième. Faut prendre les 2 balles. Le troisième, c'est 2 balles. Donc au début, ce sera rebond biceps en alterné, d'accord. Après, on changera au fur et à mesure des passages. Le quatrième, j'ai mis 2 palets. C'est pas de côté, explosif, d'accord? Donc c'est un déplacement latéral le plus rapide possible, d'accord? Et je me remets face au palet, d'accord? Donc pendant 40 secondes. Au début, ce sera un petit déplacement. Et au fur et à mesure des séries, je vais éloigner les palets, d'accord? Pour à la fin aller chercher beaucoup plus loin. Ça roule? Donc on démarrera sur un petit déplacement. Le cinquième, c'est tirage en Y. Cette fois-ci, les bras s'écartent en Y, d'accord? Donc je suis en position, les bras tendus, et je remonte en tirant en Y. Il y a toujours la sangle qui est tendue, d'accord? Je ne vais pas jusqu'à l'équilibre. Donc il y a toujours du poids sur mes bras. Ça marche. Et le sixième, à nouveau avec les balles. Je reprends les balles. Et là, on démarrera. Ce sera que des jeux entre les jambes. D'accord? Donc là, on démarrera le premier. Ce sera derrière, en avant, en attrapant les balles. Ça roule? Donc six ateliers. On enchaîne tout. 1 minute de repos. Et on fait trois circuits en tout. Ça marche pour tout le monde? Oh, il y a Arthur qui est venu. Salut Arthur. Content de te voir. Parfait. Donc on va partir. Mountain Climber. Il y a le compteur de 1 minute. On se met en place. Ça part au top. Ok. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On est rapide. On respire bien. On s'arrête pas, Armand, on s'arrête pas. Ouais, Luna, c'est ça. Ah, baisse un peu tes fesses, Jules. Voilà. Le genou doit monter à la poitrine. Respirez bien, on garde le rythme. Il vous reste 10 secondes. Allez, allez, allez. 3, 2, 1. Top. Ok, c'est bon. On se met sur le TRX. On va être sur tirage bras. Donc là, plus vous avancez les pieds, plus ce sera dur. D'accord? Et on contrôle à la montée et à la descente. D'accord? Et la sangle, la sangle bouge pas. 3, 2, 1, top, c'est parti. Si vous voulez que ce soit plus dur, vous avancez les pieds. Si c'est trop dur, vous vous redressez un petit peu.
Et les mains finissent à la poitrine. Contrôle la descente, Thomas. Faut pas tout lâcher, hein, la descente. Je contrôle à la montée, je contrôle à la descente. C'est pas grave si vous le faites pas très vite. D'accord? Parce que de toute façon, il y a tout le temps du poids sur la sangle, donc vous travaillez tout le temps. Ok, repos, on prend les balles. Ok, là on va être sur rebond biceps en alterné. Donc bras droit, bras gauche. Ok, si jamais ça tombe, ce sera 5 secondes de plus sur le prochain exercice en travail, d'accord? Allez, top, c'est parti. Donc je disais, si jamais vous faites tomber une balle, le prochain exercice, on est sur les pas de côté explosifs. Au lieu de travailler en 40-20, vous travaillerez en 45-15. Genre comme moi. Bon, moi je travaille pas en 40 secondes. Donc... Ah, il y a Luc qui arrive aussi. Luc, pense à ouvrir ta caméra. Ouais, c'est bien, vous êtes un peu plus nombreux. Ok, repos. On pose les balles. On passe sur pas de côté explosif. Donc là, il y a juste... il n'y a même pas un mètre entre les deux. Hein. Donc je suis fléchi. Hop, je vais chercher sur le côté et je reviens. D'accord? Et c'est assez rapide. Et j'utilise les bras. D'accord? Donc je pousse jambe droite. Mon bras droit qui part vers l'avant. Je pousse jambe gauche. Mon bras gauche qui part vers l'avant. Attention, top, c'est parti. Merde. Je reste fléchi, je bouchonne pas. Fléchis plus, Luna. On utilise les bras. Pour l'instant, c'est plus échauffement, hein, donc il n'y a pas une grosse, grosse poussée à faire. Il faut du rythme. Ok, repos. On passe au tirage Y. Donc là, j'ai les bras tendus et j'écarte les bras pour monter, d'accord? J'écarte les bras et je les mets au-dessus de ma tête. Mon corps est gainé et droit. Et la sangle est toujours tendue. Et pareil, je contrôle à la montée et je contrôle à la descente aussi. Je descends tout doucement. Top, c'est parti. Des mouvements doucement. Il y a juste les bras qui travaillent, Manoa. Voilà, et essaye de garder la sangle toujours en tension. Donc on ne monte pas jusqu'à l'équilibre. Bras tendus au début, Jules. Tes bras sont tendus devant toi. Ouais, tendus, et là tu les écartes. Voilà. Si vous avez les bras pliés, vous allez avoir tendance à tirer sur les bras. Ok, repos. Et là on passe au dernier. On est fléchi. Ok, deux balles, je passe derrière ma jambe, je lance entre les jambes, j'attrape, d'accord? Et j'alterne. Ok, ça part dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Ah ben super, Maël, t'as la caméra. Luc, Arthur, si vous pouvez mettre vos caméras, comme ça je vous vois. Ok, on lance pas trop. Lance pas trop, Jules. Essaye d'attraper par-dessus, d'accord? D'être très rapide avec la main. Si on lance très haut, c'est trop facile pour attraper. Ouais, Maël, c'est bien. Maël, ça dépasse pas les... C'est quasiment à hauteur des genoux, d'accord? Ok, repos. On a une minute de repos. Donc ce que je disais pour la hauteur, ici, il faut attraper la balle à peu près à hauteur des genoux. D'accord?
Donc si j'envoie trop, c'est trop facile. Je l'envoie un tout petit peu en l'air pour l'attraper avec la main. Ok, il y a la minute de repos qui est partie. Il nous reste deux séries comme ça. Et après, on passe au slide. Donc le premier, c'est Mountain Climber. Les palets, on peut les écarter un petit peu plus. Ok. C'est pas encore trop loin. Il y a un bon mètre, d'accord? Il y a un bon mètre entre les palets. On va se remettre en place à 5 secondes, d'accord. Mountain climber en planche. Vous pouvez vous mettre sur la slide si vous voulez avec les chaussons et le faire en glisse. Ok, attention, top, c'est parti. Allez, Maël, essaye de démarrer au top. Tu démarres, tu dureras un peu plus longtemps. Quand je dirai repos, tu continues 10 secondes. Un peu plus vite, Manoa. Ok, on essaye de mettre du rythme. On va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monte bien le genou, baisse le bassin, Jules. Ok, repos. On passe au tirage bras. Donc là, le corps ne bouge pas. D'accord. Je contrôle à la descente. Je contrôle à la montée. Et la sangle, elle garde toujours la même tension. Ça part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Okay. On tire bien, on ramène les mains à côté de la poitrine, les coudes passent derrière votre corps, la tension reste la même, c'est-à-dire que la sangle elle doit pas bouger, c'est toujours la même ligne à la descente, à la montée, d'accord. Moi sur la caméra je dois pas la voir bouger. Elle bouge ta sangle, Armand. Essaye de faire en sorte qu'elle reste tout le temps avec la même tension. Ok, repos. On passe avec les balles. Cette fois-ci, c'est simultané. Tout à l'heure, on faisait rebond alterné. Simultané, d'accord. Deux balles, rebond biceps, simultané. Attention, ça part dans 5 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Oula. Ok, repos. On est sur les pas de côté explosifs. Un mètre, un bon gros mètre. Je suis fléchi. Et je vais aller chercher plus loin cette fois-ci. Toujours en ayant du rythme. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. Je vais être de mes bras. Ramenez votre jambe sur le sol, la jambe libre. Garde ton équilibre, Maël, ne te relève pas. On reste fléchi. Je suis fléchi. Ok. Et je saute pas trop.
Comme si on était sur la slide un peu. Ok, repos. Tirage en Y. Les bras tendus. Ok, les pieds un petit peu enfin, sous mes mains finalement. Et là, je tire sur l'extérieur. Ok, et je reviens. Et je contrôle aussi à la descente. Top, c'est parti. On plie pas les bras. On plie pas les bras, c'est les épaules, d'accord? Épaules qui vont travailler. Lâche pas tout, Thomas. Contrôle la descente. Peut-être que tes pieds sont trop avancés. Ok, ça doit être dur, mais pas trop trop dur. Hein. Faut être capable de monter et descendre sans que ce soit impossible. Ok, ouais, Manoa, très bien. Ah, pour les autres, Jules, Luna, Timéo, Arthur et Luc, je vous corrige pas parce que je vous vois pas, donc je peux rien vous dire. Ok, repos. Et on passe sur les deux balles entre les jambes. Ok, on va être cette fois-ci d'avant. D'accord? Je passe entre mes jambes sur le côté. Ok, top, c'est parti. Non, dans l'autre sens, Luna. Non, de l'avant entre mes jambes vers l'arrière à l'extérieur. Ok, avant entre mes jambes vers l'arrière à l'extérieur. Oui, mais il faut que tu attrapes avec la même main. Tu lances main droite, tu attrapes main droite. Voilà. Tu lances main gauche, tu attrapes main gauche. Si vous avez deux balles, c'est plus facile. Ouais, Manoa, c'est ça. Thomas, c'est ça. Fléchis bien, Thomas. Armand. C'est ça. On essaye de ne pas lancer trop. Ok, repos. Eh bien, repos 1 minute. D'accord? C'était le deuxième circuit. Et on va mettre le palais un petit peu plus loin sur le troisième passage. D'accord? Donc là, c'est vraiment au maxi. Je vais chercher mon déplacement latéral maxi. Ok. Vous pouvez faire un essai pour voir ce que c'est que votre maxi. Ok, on se remet en place sur le mountain climber. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. Respirez bien pendant. Descends ton bassin, Maël. Voilà. En prolongement, Luna, c'est ça. Ok. On passe au tirage bras. Donc là, on... Quand on tire sur les bras, on expulse l'air, on expire. Quand on descend, on inspire. Ok, attention, c'est parti.
la sangle reste toujours tendue. Gérez votre respiration. On essaye d'être un peu explosif sur la montée, d'accord? Lâche pas tout, Thomas. Contrôle la descente. Explosif sur la montée. On descend tranquillement en contrôlant. Ok, repos. On prend les deux balles. Ok, et là, ça sera croisé, d'accord? On croise les balles. C'est bon? 3. Donc, il faut 2 balles. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ça doit pas tomber. Ah non, ça fait 3 mois qu'on fait ça. Vous pouvez changer de sens aussi, hein. C'est plus dur dans l'autre sens. Tiens. Ah! Bon, c'est plus dur de le faire en vous regardant en plus. Attrape par-dessus, Luna. C'est quoi cette attrape par en dessous? Trop fastoche. Ok. Repos. Pas de côté explosif. On attrape les balles en étant agressif. Ok, donc là j'ai mis le palais très loin. Grand déplacement maximum. Faut que je mette de mon bras. D'accord. 3, 2, 1, top. Donc faut vraiment que j'aille chercher loin. Hein. Repose les deux pieds à chaque fois, Luna. Ah, c'est trop facile. Plus loin les palais là. Non, il faut que tu ailles chercher plus loin encore. Mets tes palais dans l'autre sens. Faut vraiment aller au maxi. Hein. Voilà, moi j'arrive tout juste au palais là. Et pourtant, je pousse. Ok, repos. Tirage en Y. Donc pareil, on va essayer d'être explosif quand on écarte les bras et on contrôle en inspirant. On descend en contrôlant et en inspirant. Top, c'est parti. Avance un petit peu tes pieds, Maël. Il ne doit pas y avoir de moment d'équilibre, d'accord? Vous êtes toujours quand même tenu par la sangle, même quand vous avez levé les bras. Armand, tes bras, ils doivent être au-dessus de ta tête ou au niveau des épaules, d'accord? Ça ne doit pas descendre plus bas. Voilà. Lâche pas tout. Ok, faut pas que tu tires sur les bras, c'est les bras qui s'écartent. Voilà, écarte les... Non, tire pas sur les bras. Tu plies pas les bras. T'écartes les bras. Ok, repos. Le dernier entre les jambes. Donc, on va alterner. On va alterner. Je passe devant, derrière, entre mes jambes. D'accord. Ah, quand je vous dis top, on passe de derrière à l'avant, entre les jambes. Ok. On mixe les deux. Top, c'est parti, go. On démarre avant-arrière. Ouais, c'est ça, Maël. On passe de l'avant vers l'arrière. Entre les jambes. Top, on change de sens. De l'arrière vers l'avant, entre les jambes. Et on attrape toujours avec la main qui lance. Top, on change de sens. De l'avant vers l'arrière, entre les jambes. Ok, repos. Alors, on a fait les 3 séries, d'accord. On a fini le premier passage. On a un petit peu d'avance.
Mika, t'arrives à mettre les étirements ou pas? Parce que du coup, j'avais pas prévu, mais c'est la première vidéo dans la banque. Vous pouvez installer la slide, d'accord? Il y aura du papillon, donc vous pouvez mettre les bas et protège genoux, d'accord? Et puis démarrer les étirements avec la vidéo qui va être mise. Boire un petit coup. On a 2-3 minutes avant que ça attaque. Ouais. Ils ont dû aller boire un coup, je pense. Ouais, tu peux lancer. Ok, donc il y a les étirements qui sont partis. Installez-vous, mettez votre slide et démarrez les étirements. Quand vous êtes revenu, soit vous me faites un signe sur la vidéo, soit vous mettez un pouce avec les réactions là, ceux qui n'ont pas les caméras, que je sache si vous êtes prêt ou pas. Voilà, plus personne là. Ok, Luc, il est prêt. Donc Luc, tu peux attaquer les étirements. Les autres, je vois plus les caméras. Manoa, Thomas, Luna, Jules. Ok, Manoa, c'est bon. Ok, attaque les étirements aussi. On est sur le premier. Ok, Thomas en train de s'équiper. Maël est revenu sur la vidéo. On peut passer au deuxième étirement, Mika. Ouais. Donc on se rappelle, hein, on va chercher loin sur l'extérieur. On prend son temps. Le bassin doit être bas, d'accord? Forcez pas. Je vais juste sentir l'étirement. La pointe de pied, elle est vers l'avant. Et j'essaye d'amener mes deux mains vers le pied. D'accord? Avec mes épaules tournées vers le pied. Ok, on peut passer au troisième étirement. Donc là, la pointe de pied, elle est vers le haut, d'accord? ML. Ok, le quatrième étirement. C'est une fente très accentuée, hein. Le genou devant va au-delà du pied, d'accord? Et ma jambe arrière va très loin derrière. Mon buste reste droit. Puis après, c'est vous qui devez sentir l'étirement s'il faut aller un petit peu plus loin ou si vous êtes au maxi.
Il y en a un cinquième ou pas, Mika? Non, ok. Ok, puis après, on va attaquer les exercices. Le premier exercice qu'on va mettre en place, c'est papillon petit côté. Avant d'attaquer, là, je voudrais juste que. Tiens, mets en pause, Mika. Non, non, mets en pause sur l'image, sur la vidéo. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de voir vos pieds à l'extérieur de vos genoux. D'accord? Je ne veux pas voir vos pieds à l'arrière. Je veux vraiment les voir sortir. D'accord? Donc, on se concentre là-dessus. Il n'y a pas une grande distance, il n'y a pas une grande poussée à faire, mais les pieds doivent être aux extérieurs pour toucher tout de suite les rebords extérieurs. D'accord? Donc, faut vraiment vous concentrer sur cet exercice-là, sur le positionnement de vos pieds, et pas les pousser et pas le reste. Et sur les autres papillons, il faudra arriver à mettre ça en place. Donc, les pieds, comme vous voyez sur la vidéo, ils sont à l'extérieur. D'accord? Ils sont pas derrière le genou. Et donc, c'est eux qui arrivent en premier sur la borne. Donc on va travailler en 40-20 aussi. Donc petit déplacement papillon, petit côté. D'accord? Donc sur la plus courte distance à l'intérieur de votre slide. Ça marche? Mettez-vous en position avec le pied à l'extérieur. Ok, et Mika il va relancer. Ouais. Donc il a relancé la vidéo. Et puis maintenant il faut relancer le compteur. Ok, top, c'est parti. Donc des petits déplacements avec les pieds à l'extérieur. Je reprends tout de suite contact. Vous n'êtes pas obligé de soulever le genou pour pousser, d'accord? Comme sur la vidéo, donc c'est une petite poussée du pied. Et les pieds restent bien sur l'extérieur. En ayant le dos droit. Donc si ça va bien, après vous pouvez rajouter les mains. D'accord? Donc on va le faire. À chaque fois, on va faire 5 répétitions. Ok, repos. Donc là, sur les 20 secondes, là, voilà, je veux vraiment que sur tous les exercices où il y a des papillons, que les pieds soient à l'extérieur pour arriver en premier, d'accord? Hein, et repartir. Et ce n'est pas un arrêt avec le genou ou avec le tibia sur le bord. Donc c'est de la souplesse à aller chercher au niveau des articulations. Ok, top, c'est parti pour 40 secondes à nouveau. Go! Donc là, c'est pas physiquement difficile, hein, c'est techniquement. Ne lève pas ton genou, Luna. Les genoux, ils restent sur la slide. Voilà. Ça peut aller un peu en avant, un peu en arrière, c'est pas un souci, hein. Ça, vous pouvez vous déplacer sur la slide. Ça ne me dérange pas. L'important, c'est que les pieds soient bien aux extérieurs. Ok, repos. Jules, Maël, Armand, Timéo, Arthur, Luc, si vous pouvez me faire un pouce ou une main sur votre écran, que je sois sûr que vous soyez bien revenu. Dans les réactions, vous tapez sur réaction, vous me mettez une main ou n'importe quoi. Comme ça, je sais que vous êtes là. Ok, top, ça repart. Pour 40 secondes. Ok, on maîtrise le haut de son corps aussi au fur et à mesure. Faut pas que le corps parte dans tous les sens, d'accord? C'est juste une petite poussée. Hop, je prends tout de suite appui avec mon pied opposé. Les genoux décollent pas. Ok, repos. C'était le troisième, ça, hein? Il en reste deux. Attention, ça va partir pour 40 secondes. Top, c'est parti.
Et là, en même temps que vous faites vos allers-retours, vous pouvez essayer de monter et descendre sur la slide. D'accord? Donc, c'est une orientation et une poussée différente au niveau des pieds. Non, toujours en faisant des petits côtés, Thomas. D'accord? Petit côté, mais je me déplace un peu vers l'avant, je me déplace un peu vers l'arrière. Donc, c'est la poussée, l'orientation de la poussée qui est un peu différente. Ouverture de la hanche, d'accord? Je tourne un peu mes épaules. Donc là, c'est un petit travail technique qui va vous aider après sur la suite. Ok, repos. Il nous restera une répétition. Ok, ça marche, Jules, pas de souci. Attention, top, c'est parti. 40 secondes, dernière répétition. Donc les pieds bien à l'extérieur, Jules. D'accord? Donc là, c'est travail technique. Je garde mes pieds à l'extérieur en papillon, petit côté. Et c'est les pieds qui arrivent en premier sur les bouts de bois. Ok, il ne faut pas que ça tourne trop, il ne faut pas que ton corps tourne trop. Ok, repos. On va passer à l'exercice suivant. Donc là, l'exercice suivant, on passe sur papillon grand côté, d'accord? Donc là, ça va être le même travail technique, sauf que là, il y a de la poussée, d'accord? Donc là, on lève le genou pour pouvoir pousser plus fort, d'accord? On ne se déséquilibre pas vers l'avant. Mais par contre, les pieds, si vous regardez les pieds sont toujours à l'extérieur, d'accord? Ils ne passent pas derrière pour se remettre à l'extérieur. Ils sont déjà à l'extérieur et c'est eux qui arrivent en premier sur les bouts de bois. Donc là, c'est le même exercice avec une poussée plus forte, d'accord? Et du coup, un maintien du buste qui est important. Il ne faut pas que le buste il parte dans tous les sens. Ouais, Jules, c'est ça, sauf que tes pieds, ils sont derrière. Et toi, tu les déplaces vers l'extérieur que quand tu arrives. Il faut qu'ils soient déjà placés avant. Ok, on part pour 40 secondes. Top, c'est parti. Donc, imaginez que sur une glissade papillon, il faut que vos pieds soient vers l'extérieur pour couvrir plus de place. Si vos pieds ils sont derrière vous, votre papillon, il ne sert pas à grand-chose. Il ne couvre pas grand-chose sur la glace. Donc là, c'est de la technique aussi, hein. Prenez votre temps. Faut juste bien faire les mouvements. Tu vas trop vite, Jules. Quand tu pars, je veux déjà que ton pied libre il soit à l'extérieur. Allô, Jules? Là, stop. Ok, stop, stop sur un côté. Voilà, mets-toi sur un côté. Mets-toi sur un côté. Ok, repos. Donc Jules, quand tu es sur un côté, je veux que ton pied extérieur, enfin celui qui est à l'intérieur de la plaque, il soit déjà sorti, d'accord? Il n'est pas derrière tes fesses, tu vois? Là, on voit toujours les pieds. Et moi, il y a certains moments sur la vidéo, je ne vois plus les pieds parce que tu es devant eux. Donc du coup, si tu avais une botte, la botte ne serait pas sur l'extérieur et du coup, il y a de la place pour mettre un but. Ok, c'est parti pour 40 secondes. Top, c'est la troisième répétition. Troisième. Deuxième. 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 Prends ton temps. Arrête-toi sur un côté, Jules. Voilà. Non, arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Mets ton pied. Là, sors ton pied. Attends avant de partir. Là, sors le pied qui est à l'intérieur. Voilà. Et là, tu pousses. Ok. Voilà. C'est ça que je veux voir. Ok. Repos. Luna aussi, là. Je ne sais pas si tu te vois, toi, sur ta caméra. Mais du coup, tu ne sors plus tes pieds. Et du coup, tu ne couvres pas d'espace sur la glace. Ok, on va partir sur la troisième répétition. Donc là, c'est juste
De l'apprentissage technique, hein, puis c'est du travail de souplesse. Ok, top, c'est parti, 40 secondes. Je sors bien mon pied à chaque fois, je prends mon temps. Ouais, c'est mieux, Jules. Ok, la jambe intérieure, non, la jambe intérieure, elle est collée au sol. C'est la jambe qui est sur le bout de bois où le genou sort. Voilà. Et maintenant, il faut le faire sans tourner ton buste. Oui, très bien, c'est mieux. Vas-y, Luna. Ouais, sors un peu plus ton pied. Là, ton pied droit, il sort bien. C'est le pied gauche qui sort pas beaucoup. Voilà. Là, c'est mieux. Manoir. Ok, avant de partir, sors le pied gauche. Prends ton temps. Ouais, voilà, là c'était bien. Ouais, Thomas, c'est bon, t'as compris, toi. Ok, repos. Et les autres, ben, je vous vois pas, donc je peux pas dire. Hein, c'était la troisième, il en reste deux. Ok, top, c'est parti. Alors pareil, hein, c'est pas de la vitesse. Hein. Concentrez-vous techniquement sur la position de vos pieds. Si les pieds c'est bon, après il faut se concentrer sur le buste. Le buste est droit, il est un peu penché vers l'avant. Si la position du buste est bonne, après il faut penser à vos mains, d'accord? Les mains bougent pas, mais elles sont en position mitaine et bouclier. Donc tu vois, Jules, ton buste il tourne un peu trop. Faut pas qu'il tourne le buste. C'est les hanches qui font tourner le bas, mais le buste il tourne pas. Le buste il est face au palais. Va pas trop vite. Ok, repos. Il restera une répétition sur grand côté papillon. Tu vois, Jules, là, le buste, il tourne pas beaucoup. Il est toujours face à la caméra. D'accord? Et les mains bougent pas beaucoup non plus. D'accord? Là, il a perdu l'équilibre. Et par contre, l'ouverture des hanches, la poussée des pieds, tout ça, c'est indépendant en bas. Ça bouge tout seul sans faire bouger le haut. Ok, top, c'est parti. Dernière répète. On sort bien les pieds à l'extérieur. Voilà, la jambe qui pousse, le genou il monte. Ouais, c'est bon, Luna. Et la jambe qui est à l'intérieur du slide, elle sort, d'accord, pour couvrir le plus de glace possible. Sans que le buste tourne trop. Donc ça, c'est des exercices techniques, c'est des routines techniques que vous pouvez faire tout seul, hein, très fréquemment, devant un miroir, pour que ça devienne naturel. Ok, repos. Le troisième éducatif sur la slide, ça va être la croix. Je vous laisse un peu le temps de repos, on va vous mettre la vidéo, le temps que je vous explique ce jeu. Donc je pars du poteau, diagonale, en haut, c'est latéral, d'accord? Et je reviens en diagonale côté opposé. Diagonale, latéral, diagonale. Et je repars dans l'autre sens. Ok, donc le buste droit, position mitaine et bouclier. Si vous avez vos mitaines et boucliers, il faut les mettre. Et des poussées précises, d'accord? On réceptionne sur les petits segments de bois, d'accord? Donc faut que vos déplacements soient précis. Ça marche? Ok, on va faire le premier juste pour que vous preniez les repères. Donc je ne vous corrige pas trop. Et après, on aura quatre exercices de travail. Top, c'est parti pour le premier. Et en même temps, je me note les trucs à vous dire, corriger après, et puis que vous pouvez regarder sur la vidéo. Ok, repos.
Sur la vidéo, regardez les genoux, d'accord? Vous voyez, c'est très fléchi, d'accord? Mais par contre, c'est toujours fléchi. Du début de la croix à la fin de la croix, la flexion reste la même. Donc vous devez faire ça aussi. Je garde mes flexions sur tous mes déplacements, d'accord? Et pendant les 40 secondes. Ok, on se concentre là-dessus, on garde les flexions, des bonnes poussées. Top, c'est parti, 40 secondes, go. Flexion Thomas, je vois pas tes genoux pliés, je vois pas les chevilles réfléchies. Ouais, Luna, c'est ça, je vois bien les flexions. Jules, tu peux accentuer les flexions des genoux aussi, je pense. Prenez votre temps sur les poussées, d'accord, c'est pas... C'est pas de la vitesse là, il faut juste mettre de la qualité sur le déplacement et être précis sur où vous allez, où est-ce que je mets mes pieds. Ils vont pas n'importe où. Ok, ça pousse pas fort Thomas parce que tu fléchis pas. Il faut que tu fléchisses bien pour pouvoir pousser plus fort, notamment sur le latéral là. Voilà, c'est mieux. Ok, repos, pardon, je vous ai oublié. Il nous en reste 3. Donc là, on ajoute donc les flexions, la précision sur les déplacements. Donc je réceptionne sur les petits côtés, d'accord? Et le buste droit. Ok, 3 points clés. Je garde les flexions, je suis précis, j'ai mon buste droit. Top, c'est parti, 40 secondes. Par contre, c'est pas celui qui va le plus vite, d'accord? C'est celui qui le fait le mieux. C'est du travail technique sur la board. Précis, flexion, buste droit. Ok, repos. L'avant-dernière série. Quand on est en haut, on fait à chaque fois un arrêt mitaine. D'accord? Donc diagonale, arrêt mitaine. Latéral, arrêt mitaine. Et retour, retour au poteau. Et je remonte, mitaine, mitaine. Et je reviens au poteau. C'est bon? En gardant le reste, les flexions, la précision du déplacement, le buste droit et l'arrêt mitaine. Et top, c'est parti pour 40 secondes. Ouais, c'est juste en haut hein, les arrêts. On ne fait pas les arrêts au poteau. Première diagonale, hop, un arrêt. Latéral, un arrêt. Et je reviens au poteau. Et c'est que des arrêts mitaines. Donc une fois, ça peut être intérieur, extérieur. D'accord? Bah, c'est forcément intérieur et extérieur. Je vois pas tes arrêts mitaines, Jules. Quand tu finis ta diagonale, il faut que tu fasses un arrêt mitaine. Hop, arrêt mitaine. Hop, arrêt mitaine. Retour au poteau. Ok, repos. Et la dernière répétition, d'accord, ce sera arrêt bouclier. Donc, tu pars du poteau, diagonale, arrêt bouclier. Transversal, arrêt bouclier. Je reviens au poteau opposé. Donc, arrêt bouclier, il faut qu'il y ait la rotation du poignet et il faut que vos yeux suivent le palais au bouclier au coin. Et top, c'est parti. 40 secondes, c'est la dernière répétition sur cet exo. Garde les flexions, on est précis sur le déplacement, le buste droit, arrêt bouclier. Tu ne dois pas m'entendre, Jules. Je te vois pas faire des arrêts boucliers, Jules.
Pardon, repos. Repos, repos. Ok. Mettez votre slide pas loin d'un mur. Vous allez prendre deux balles. D'accord? Et le prochain exercice, il va être sur du déplacement avec du travail de balle. Donc, ça va être du déplacement latéral grand côté, d'accord? Avec les balles en simultané. Et puis, au fur et à mesure, on changera le type d'envoi sur les balles. Donc, déplacement grand côté, balle simultanée. Dès que vous êtes prêt, vous mettez soit un pouce pour ceux qui ont les, enfin, vous mettez un pouce ceux qui ont les caméras, soit une main pour ceux qui n'ont pas les caméras là, une main ou un cœur ou ce que vous voulez. Ok, Luc c'est bon, Armand c'est bon, Maël c'est bon, il reste Timéo et Arthur. Ok, on va partir. 40 secondes. Top, c'est parti. Grand côté, on envoie les balles en simultané. On garde les flexions. Le buste penché vers l'avant. Ok, repos. La deuxième répétition, donc toujours grand côté, debout. Cette fois-ci, les balles, c'est alterné, d'accord? Main gauche, main droite, main gauche, main droite, en alterné. Donc, j'ai pas la vidéo, mais vous comprenez ce que ça veut dire maintenant. Donc, j'alterne, je lance main droite, je récupère main droite, je lance main gauche, je récupère main gauche. Voilà, c'est ça, Luna. Ok, top, c'est parti, 40 secondes. Et si c'est facile, vous pouvez accélérer au niveau des mains, d'accord? On n'est pas obligé de faire, voilà, on peut faire deux envois sur une traversée. Donc là, on dissocie ce qu'on fait en bas et en haut. Ok, repos. La troisième répétition, ça va être croisé, d'accord? Donc, envoi simultané, on croise les balles sur le mur et on rattrape les balles, d'accord? J'ai pas la vidéo non plus, faudrait qu'on se fasse toutes les vidéos avec Elliot. Donc, grand déplacement, je lance les balles, je les fais croiser sur le mur et je les rattrape de l'autre côté. Ça roule, top, c'est parti, 40 secondes. Ok, repos. Et le cinquième, donc déplacement debout. Cette fois-ci, on n'utilise pas le mur, d'accord? On lance les deux balles en l'air et on rattrape les deux balles sans le rebond, d'accord? Donc on lance les deux balles, je rattrape les deux balles sans l'envoyer sur le mur. Ça marche? Top, c'est parti. Attrape-les par-dessus les balles, Luna. Je lance, j'attrape, ouais. Agressif. J'utilise pas le mur. Comme les exercices qu'on fait au début en fait. Mais sauf qu'on est sur la slide en plus.
Ok, repos. Tu peux arrêter les vidéos, Mika, puisque là, celle-là, on les a pas. Les suivantes, on va être sur le même principe que tout ce qu'on vient de faire, sauf que cette fois-ci, le déplacement, il est papillon. D'accord? Donc, déplacement papillon, grand côté. Et en plus, on va rajouter les jeux avec les balles. Moi, ce que je veux voir, c'est que votre pied intérieur, d'accord, couvre bien sur la glace. Donc, il est bien à l'extérieur. Et à la fois être capable de le faire en faisant autre chose, en étant concentré sur autre chose. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit bien intégré physiquement. Donc, votre déplacement, comme tout à l'heure, le papillon avec le pied intérieur à la slide, qui est bien décalé par rapport à votre corps, vous couvrez plus de surface sur la glace. Et au niveau des mains, là, on va démarrer en. Le plus facile, c'est alterner, d'accord? On alterne les lancers et on est en déplacement papillon. C'est bon? Dès que vous êtes prêt, vous me faites un pouce. Ok, top, c'est parti pour 40 secondes. Go! Donc alterner en papillon, en pensant au pied qui couvre bien l'intérieur de la slide. Ouais, Luna, c'est ça, c'est bien. Pense à ton pied, Jules. D'accord, t'oublies de mettre le pied à la. Voilà, très bien. Thomas, c'est ça. Ok, repos. Le prochain, cette fois-ci, l'envoi, il est simultané, d'accord? J'envoie les deux balles, j'attrape les deux balles, toujours en papillon. Il nous en reste deux à faire. Donc, déplacement papillon, j'envoie les deux balles, j'attrape les deux balles par-dessus. Attention, top, c'est parti. On pense aux pieds, d'accord? On couvre le maximum d'espace en bas. Donc les pieds sont ouverts. Ouais, c'est ça, Manoa. Ok, repos. Le prochain, donc c'est déplacement papillon. On gardera le croisé pour la fin, mais c'est déplacement papillon. Sans utiliser le mur, je lance les deux balles. Et je rattrape les deux balles, d'accord? Sans rebond. Je lance les deux balles, j'attrape les deux balles, sans le mur. C'est bon? Ok, top, c'est parti. Déplacement papillon, je lance les deux balles, j'attrape les deux balles. En gardant le même rythme en bas. Sors ton pied, Jules. Couvre de l'espace en bas. Ouais, Manoa, c'est ça. Ok, repos. Et pour finir, le dernier, donc déplacement papillon, rebond avec le mur et on croise les balles. D'accord? Le plus dur. On finit par le plus dur. Donc déplacement papillon, je croise les balles avec le rebond sur le mur. Et 40 secondes et ce sera fini. Top, c'est parti. Ok,
Repos. C'est la fin de la séance. Merci, merci à vous d'être venus. Prochaine séance pour vous, donc c'est la PPG demain. D'ailleurs, je regardais, Luc, on ne te voit pas souvent sur les PPG joueurs. Faut aussi que vous, les gardiens, vous veniez sur ces PPG-là. On voit souvent Manoa, Jules est souvent là, Thomas est là. Luna, je ne te vois pas souvent sur les PPG joueurs non plus. Il faut que vous veniez de temps en temps. Puis on est nombreux, on est entre 60 et 80 sur ces séances-là, c'est plutôt sympa. Donc il y en a une demain soir, vendredi c'est yoga, et la semaine prochaine, lundi, mardi, les PPG, et séance gardien le mercredi. Salut à tout le monde, bonne soirée, à bientôt, ciao!